Ça tourne. Donc, bonjour monsieur Bonne. Oui. Quel problème vous avez? J'ai des rats dans la chaudière. Chaufferie? Local de chauffage. Dans le local de chauffage. Alors, ils se promènent dans le local de chaufferie oui, et dans la piscine. Dans le couloir à côté de la piscine. D'accord, on va regarder tout ça. Merci. Oui. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, nous sommes dans la chaufferie. Et nous avons donc déjà des crottes de rats. Hein. Oui. Et il y a déjà des rats qui sont. Rats qui se promènent ici. Ah, monsieur Beaune voit des rats qui se promènent dans ce local. Oui. Et donc en allant par ici tout droit, nous allons vers le couloir de la piscine que nous allons visiter tout à l'heure. Et dans ce couloir-là, c'est rempli de crottes de rats. Oui. Ben voilà. Ok. Voilà, nous sommes dans la piscine. Alors ici, nous sommes dans le vide ventilé. C'est le local technique de la piscine. Nous allons descendre. Donc ici, nous sommes dans la galerie technique de la piscine. Alors on peut s'apercevoir que ici, à ce niveau-ci, donc les rats accèdent aussi. Ils essayent d'aller un peu plus loin. Donc on voit bien les passages hein, tous les jours. Des crottes fraîches, très fraîches. Hein. Alors, nous allons au cœur du problème. Donc, de ce côté-ci, nous allons entre la jonction de la chaufferie et de la piscine. Et donc, nous étions là tout à l'heure, au fond. Donc, les petits appareils rouges dans le coin à droite, ce sont les chauffages. Et donc, ici, on voit bien un gros, 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 gros carrefour. Un gros carrefour de rats, ici. Hein. Et alors, ils aimeraient bien aller de ce côté-ci. Sous la piscine, ils se promènent, on voit bien les traces, les couleurs. Et le problème, en fait, était au-dessus de nous. Ici. Voilà, c'est ici le problème. C'est une colonne en grès qui est cassée. Et qui vient directement des égouts. Et il faut réparer cette colonne, hein, ce coude. Parce que donc, si c'est pas réparé, ils viendront tous les jours. Voilà, c'est QFD.